Salut tout le monde, c'est Zerkov et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc ici c'est pas un tuto qui est en rapport avec Call of Duty, c'est tout simplement un tuto pour savoir si son PC est assez puissant pour un certain jeu vidéo. Donc les jeux vidéo du moment, bah, vous pouvez avoir Skyrim, etc. Donc là on va directement aller sur la page internet. Donc vous voyez, en fait c'est ce site là, Can You Run It? Oui, je sais, j'ai un accent anglais très merdique. Mais en tout cas, c'est ici. Donc, vous voyez ici la première barre. Couleur active, on s'en fout. Vous mettez ici, il y a tous les jeux. Donc, vous voyez, tous les jeux sont ici qui sont possibles sur PC. Donc, il y a franchement tout. Bon, moi, vu que on va prendre Battlefield 3, parce que je pense que Battlefield 3 il prend. C'est un assez bon jeu qui prend de la place. Donc, par exemple, vous mettez Battlefield 3. Vous cliquez Can You Run It et normalement là le site internet va faire un chargement pour voir si votre PC est assez puissant. Donc pendant ce chargement, je m'excusais à ne pas avoir fait de vidéo pendant un certain temps, tout simplement parce que j'ai eu ma connexion internet qui m'a lâché, donc j'avais plus internet, on a dû faire plein de changements et tout, donc je m'en excuse. Mais là on est reparti. Donc là vous voyez, mon PC est assez puissant pour avoir Battlefield 3. Et voilà, il est assez puissant, donc on descend. Et ici vous voyez toutes les options qu'il y a. Donc le sound card, la carte de son j'imagine. 3D space, j'imagine que c'est l'espace qu'on a encore dans notre disque dur, un truc comme ça. Vidéo carte. Donc ici vous voyez vraiment tout. Et grâce à ça, vous pouvez voir par exemple même. Je pense qu'ici c'est. Non, ça c'est pas la carte graphique, ça c'est quelque chose que je connais pas. La carte graphique, je sais pas où qu'elle est. Je pense que la carte graphique, elle est ici quelque part. Oui, là, regardez, Radeon, je sais pas trop quoi. Moi, j'ai un Radeon HD, etc. Ah, mon PC est plat. Bon, en fait, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de commenter, de mettre un j'aime et de partager la vidéo. Moi, j'ai juste une chose à vous dire. C'est ciao tout le monde et... bonne reprise des cours, parce que moi, ça fait déjà un mois, mais j'ai dû... Allez, ciao tout le monde.